Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Foundation, de ce let's play du coup sur Foundation. Donc on s'en était arrêté. Alors attendez, je vais juste baisser le son dans mes oreilles. Voilà. On s'en était arrêté. Je ne sais plus où d'ailleurs. Je crois que j'avais rejoué hors stream un petit peu d'ailleurs. J'avais commencé à construire ici une autre cabane de tisserand ici, je crois. Voilà. Et je comptais faire du coup un truc pour faire des vêtements. Parce qu'il y a un... je vais pouvoir faire au marché une étale pour vendre des vêtements. Donc pour gagner encore un peu plus d'argent. Déjà j'en gagne pas mal je trouve, on verra. J'ai remarqué aussi que mes stocks de bois et de planches étaient très remplis. Du coup j'ai deux scieries, donc j'ai peut-être pas besoin de deux scieries, mais bon. On va laisser comme ça. Ma pierre taillée aussi, c'est assez... assez haut les stocks. D'ailleurs, elle est où la mine de pierre? C'est ici. Bergerie, atelier de construction. C'est ça, non? Carrière de pierre, oui. Donc j'ai la carrière de pierre qui est ici. Et ça, c'est le truc pour faire la pierre polie. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, la pierre polie. Je vais peut-être me refaire un stock, du coup, de pierre polie. Qu'on va construire où? On va continuer à construire par là, je crois, les stocks, les machins. Je suis en train aussi de construire d'autres stocks, justement, d'autres des entrepôts. Là, j'en avais construit un pour faire du bois, qui est en train de ce qui est déjà quasiment plein. Celui-ci, il est plein. Il va falloir que je commence à prévoir et à réussir à construire des outils, fabriquer des outils. Il y a une petite chose que je voulais faire aussi, c'était ici me fabriquer un petit cimetière. J'avais dit que je le ferais. Hop, il va peut-être falloir que je fasse une autre église après aussi. Une petite croix en bois. Alors attendez, on va faire le petit cimetière là. Un joli petit cimetière sympathique. C'est de quel côté les... Ah, c'est chiant ça. Ils auraient pu réduire la taille des icônes quand le. On zoom. Hop. Faut que je vois ce qu'on peut faire comme petite décoration après aussi. Voilà, on va faire un truc rapidos. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, juste pour le fun, parce que j'avais envie, j'en avais déjà parlé un moment, j'aimerais bien faire des petites barrières, clac, faire des petites barrières là tout le tour, ce serait sympa, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire comme décoration? Alors là, il n'y a rien d'autre. Là, une petite croix, genre ici, là. Clac. Voilà, c'est sympathique. C'est sympathique. Ok. Elle est chelou, cette église, mais c'est marrant. C'est marrant. Je pourrais ajouter... extension en bois, genre ici ou là, tiens, ça pourrait le faire ici. Non, ça passerait pas les deux. Ça fait quoi ça? Ça me coûte 15 pièces par semaine et ça m'embellit un petit peu le truc. Ouais, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Est-ce que de toute façon, dans mes modules, je peux mettre des trucs? Non. Donc, ça augmentera peut-être ma taille de... le nombre de fidèles que je peux mettre dedans. Donc en fait, c'est peut-être pas mal d'ajouter des modules. Ce serait pas mal. Donc on va en ajouter un ici, c'est sympathique comme ça, j'aime bien. Comme ça aussi. Clac. Là, je ne pourrais pas. Parce que je peux pas mettre un truc comme ça, là.
Ah, comme ça, c'est pas mal. Ça fait très bizarre comme ça. C'est très chelou, ça. Oui, sachant que ces modules, je peux les augmenter la taille aussi, non? Oui, comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Comme ça. Clac. Si je fais la même chose de l'autre côté. Non, c'était un petit peu plus bas. Clac. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'y gagne? Ça me coûte des outils. Bon, allez, on s'en fout, on a tout ce qu'il faut. Commencer la construction. Voilà. Alors ensuite, en décoration. Décoration. Est-ce qu'on n'a pas des clôtures? Voilà, des petites clôtures comme ça. Un outil à chaque fois. Oh là, quelle horreur. Un outil à chaque fois. On va faire fabriquer des outils avant de faire ça. Bon. Continuons. Là, on produit du blé. Pas mal. Le bois, on doit être bien. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je me fasse un truc de pierre polie. Et de pierre aussi, ce serait pas mal, parce que la pierre, j'en ai pas tant que ça. Quand je vais commencer à construire des murs, ou je sais pas si on peut faire des châteaux, des trucs comme ça après. Ah, il y a zéro personne qui ont décidé de rejoindre mon village. Pourquoi? Oh, il y en a qui sont pas contents. Pas contents, pas contents. Pourquoi t'es pas content? Oh là, toi, t'as rien du tout, t'es où toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah mais c'est le bailli. C'est pour ça. Le travail. Et oui, c'est le bailli. Donc en fait elle est partie depuis longtemps, elle est pas contente. Ok. Elle prospecte. Sinon les autres ils sont tous contents. Oui. Ils sont tous contents les autres. Et j'ai des nouveaux villageois encore. 3 de plus. Donc ces 3 villageois, pour le moment, on les affecte nulle part. Par contre, j'ai dit que je voulais... Ah oui, j'ai construit donc une autre cabane de tisserand. Et il va falloir que je construise après un... D'ailleurs, la cabane de tisserand... Est-ce que j'y stocke quelque part le tissu? Bonne question. Je crois pas que j'ai de stock de tissu. Il va falloir faire un stock de tissu, on va le mettre derrière, là. Alors... Un entrepôt de ressources qu'on va mettre. Promotion disponible. Entrepôt de ressources, on va le mettre comme ça. On va essayer de pas trop bouffer les routes et les espaces. Hop. Comme ça. Comment c'est la construction? Ah, j'en avais fait un là, mais quel débile. Bon, ça servira à autre chose. Ça servira à la pierre, par exemple. On a toujours besoin d'entrepôt de ressources. Ok, donc la cabane de tisserand, boum, on met des gars dedans. Parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de laine là. Je sais pas si il va falloir que je me fasse à une autre bergerie ou pas, sûrement. On verra les stocks de laine, comment ils descendent. Je peux me faire des palissades, un grand mur de pierre, une haie. C'est rigolo les grands murs de pierre. Ah oui, j'aurais pu faire des haies là au lieu de mettre ces trucs bien débiles, super moche. Ah, mais une haie par exemple, plutôt là, pour faire le tour. Voilà. Regardez voir ça. C'est pas beau ça? Clac. C'est stylé. C'est stylé. Votre bailli est disponible pour un nouveau mandat. Ok. Et il a trouvé des ressources là-bas ou pas du coup? Oh oui, une mine! Une mine! Gisement de fer, module édité. Ah, je peux faire une mine! Cool! Ah, même si elle est pas... Ah, c'est bien ça! Même si elle est pas dans mon territoire, je peux quand même la construire.
Ça veut dire qu'en fait j'ai récupéré ces trucs pour pas grand chose. Je vais commencer à essayer de récupérer par là pour faire un truc un peu stylé ici. Ah, c'est cool ça. Alors je veux juste voir aussi quelque chose. Est-ce que le poisson ça augmente? Ouais, ça augmente pas mal le poisson. On va peut-être faire une étale de poisson ici. Hein? Un vendeur de poisson un peu. Ce serait pas mal. Le marché. Alors, marché. On vend des baies, du pain. Le pain, je peux en refaire une aussi, je pense. Hein. Je peux refaire une étale de pain. Éditer. Étale de nourriture. Hop. Donc. Merde. Putain, je me trompe à chaque fois. Hop, l'étale de nourriture, on va la mettre comme ça. On va faire un petit marché sympa. Une autre étale, genre. Par. Ah non, non! Ne t'aimante pas dessus, s'il te plaît. Oh putain! Oh! Fais chier. Bon, bah va pour comme ça. Ok. Clac. Avec une petite tente rouge. Ici. Et là, une autre tente rouge aussi. Ouais, vu qu'ils sont l'un sur l'autre. Ouais, ça fait un peu dégueulasse. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Allez, hop. Clac. Très bien. Des petits tonneaux, là, pour faire joli. Bouya. Là aussi. Clac. Commencer la construction. Hop là. Et donc il faudra que j'assigne du poisson et du pain, parce que le pain ça monte pas mal. Les planches aussi on est pas mal. Alors ici on a dit que je stocke, ouais, du tissu on est bon. Là je vais stocker, c'est la pierre, deux emplacements de pierre je vais mettre. Et un de pierre polie pour le moment. Voilà. Là, j'ai rien affecté non plus, mais c'est pas fini de construire. Là, c'est tout affecté, là, c'est tout affecté. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Si on peut construire là-bas... Alors, attendez. Parce que, du coup, j'ai que deux personnes sans emploi. Qu'il va falloir que... Que j'affecte à des nouveaux trucs. Genre, transporteur ici... Ah, j'ai deux bergeries. Eh bien, un autre berger alors. J'avais construit une deuxième bergerie, j'avais prévu le coup. Allez, on va créer des moutons. Voilà. Hop. C'est marrant quand même, avec juste une mine de pierre, j'arrive à tout produire quoi. Ok, donc ensuite, là il va falloir que j'attire du monde là, hein, vraiment. Il y a des maisons qui se construisent là, c'est bien. Ça commence à s'étendre. C'est cool. Par contre, le bonheur résidentiel est surtout par là. Hein. Donc je pense que c'est le centre du village qui joue beaucoup. L'église un peu, j'ai l'impression. Donc peut-être que je vais reconstruire une église sur cette île là. Ah, 4 qui vont me rejoindre, ça c'est cool. C'est pas ce que je voulais faire ça. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ah bah il est sympa mon petit cimetière, à côté de mon église. C'est très cool. C'est très cool. Construction terminée, marché, allez. Donc, celui-ci. Alors, bam bam bam, là on va vendre du poisson. Et là on va revendre du pain en plus. Ok. Et il faut que j'affecte des gens à ces trucs-là. Marchandises, donc non, c'est ici, c'est là. Ah, j'ai plus personne pour le moment. Ah, faut que j'attende qu'ils arrivent. Ok. Pardon. Il faut que j'attende qu'ils arrivent. Ah bah voilà, ils sont arrivés. Très bien, donc deux teneurs de marché. Et deux transporteurs ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à construire ici
vu que je peux le faire, un gisement de fer. Alors, une mine de fer, ça me coûte 5 outils et 25 planches. Ça, c'est décoratif. Alors, une grue, un dépôt de ressources utilisé pour entreposer du minerai et des gemmes. Construction terminée, un donjon en bois. Une petite grue, décoratif. Ok. C'était quoi ce donjon en bois? Ah, c'est ça, là, c'est les trucs de l'église, non? Général. Module. Pierre tombale. Croix en bois. Non, ça devait être autre chose que j'ai construit, peut-être par là, je ne sais plus. D'ailleurs, eux, ils en sont où là? Mes soldats. Les soldats, alors, les frapper. Général. Ok. Soldat de niveau 1. Préviens les vols. Il peut y avoir des vols. Apprenti. Soldat chevalier. Ça veut dire que eux, faut que je les fasse monter de niveau pour qu'ils soient. On faudrait y penser ça. Les soldats, de les faire monter. Pour qu'ils s'améliorent. Donc là, les modules, j'ai un dortoir et une trésorerie. Ok. Extension. Et le module principal. Module principal, on peut rien mettre dedans. Ok, on va peut-être reconstruire un autre module comme ça. Je ne sais pas. On va voir. Ah oui, je voulais construire un pont pour aller ici, moi. Ah, je perds de l'argent. C'est con ça. Faut que je gagne de l'argent, du coup. Total moins 18. Moins 5. Mince. Commerce. Ok, on voit ce que je peux leur vendre. Ah, je peux vendre des pierres polies, j'en ai en masse. Ah, ils achètent quoi? Du vin pour très cher. Les pierres polies, je peux en vendre. Ressources commerciales. Pierres polies. Vendre au-delà de. On va mettre 150. Hop là. Je pense que j'en ai plus de 150. Donc eux, ils achètent ça, ça, ça et ça. Et eux, ils achètent ça et des vêtements. Les vêtements, ce serait pas mal. Débloquer la route commerciale pour 20 pains. Voilà. Donc. Ok. Donc il va falloir que je fabrique des vêtements. Pour fabriquer des vêtements, il va me falloir des gens déjà. Travailleurs. Mais il me faut aussi. Ah, ferme laitière, je vais pouvoir faire du fromage aussi. Un atelier de tailleur, voilà, produit des vêtements. Il faut un atelier de tailleur. Atelier de tailleur. Je l'aurais bien construit, genre ici. Ils m'ont refait une route ici, cette bande de guignols. Atelier de tailleur, je l'aurais bien mis comme ça, là. Ah, mais là, il n'y a pas de route. Ou ici, tiens. Atelier de tailleur, il peut être là, là. C'est pas mal, là, comme ça. Ça donne un peu sur le marché et tout. Ouais, comme ça, c'est pas mal, là, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. Allez, commencer la construction. Et voilà, donc j'aurai 4 personnes en plus, donc ça, c'est bon. Ah, il va me falloir les outils. Les outils, bon sang, les outils. Alors... éditer. Donc là, je vais construire ça. Ah ouais, mais tout ça, ça me coûte. Tout ça, ça me coûte. Donc, si ça me coûte, il faut que je crée des marchés.
Ça fait bizarre, j'ai les deux cabanes. Avec les tentes rouges là. Hein. Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'agrandir encore ce marché. Avec une étale de nourriture ici. Une autre. Non. Ah, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Ah putain. Pardon. Mais. Non. 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 Bon, bah ici alors. Clac. Et une dernière là, de nourriture toujours. Hop. Voilà. Trois étals de nourriture, on en refera peut-être par là-bas. Ou par ici là. Autour du manoir. J'aurais bien fait un petit jardin là pour ce manoir. Ça aurait été stylé là. Hop. L'autre marché, on le fait ici. Hein. Ah, peut-être que le marché, ça attire les gens aussi. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un autre marché par là. Avec une église. Ah, peut-être que... Attendez. On va attendre d'avoir de la thune, un peu, qui remonte. Et on va acheter par là. Et on va essayer de faire un pont, déjà. Ce serait pas mal, un pont. Mais j'ai pas compris comment on faisait le pont. C'est là-dedans, le pont. Pont en bois. Pont en bois. Je peux pas le tourner, en fait, mon pont en bois. Comment je fais pour le tourner? Ah. Ok. Comme ça. Là, on est bon, là. Ah, bah là, on est bon. C'est stylé. Alors... Là, comme ça, ça suffit peut-être. Ah ouais. Ok, ça le définit automatiquement. Comme ça. Je vais essayer de le faire pas trop long, justement. Ça me coûte des planches, hein. Faux, 65 planches. Comme ça, c'est pas mal, hein. Faut peut-être l'agrandir un tout petit peu poil par ici, voilà. Ça tombe pas dans la flotte non plus. Ok, donc là, on est bien, je trouve, 75 planches. Ancrage automatique, vis de construction, blablabla. Vas-y, construisez-moi un pont en bois là, les gars. C'est parti! Un petit pont en bois, là, il faudra que je finisse le jardin de ce petit donjon. Sympathique. Voilà, donc maintenant j'ai les zones d'influence du marché là qui apparaissent, je ne sais pas comment on fait pour les enlever. Un atelier de tailleur, construction terminée. Un moine requiert votre audience. Il est où le moine? Il est là, qu'est-ce qu'il me veut? Alors, des planches. Ah oui, pour gagner des trucs. Alors, de quoi j'ai besoin? De rien, en fait. Si, quand j'aurai des roturiers, là. Quand j'aurai plus de roturiers, j'aurai besoin de ça. On va prendre ça, alors. On va aider le peuple. Je vais aider mon peuple. Et là, on va les livrer tout de suite. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. C'est bon. Lâche-moi. Ok, habitation. Donc là, les marchés, ils sont en train de se construire. Ah oui, j'ai pas fait commencer la construction. Ok, général. Marché, 5,50. Vendu cette semaine, 2 pains vendu cette semaine, 1 baie. Ok. Donc là, j'ai le récapitulatif de ce qui est vendu. J'ai l'impression. Donc pour le moment, on ne vend pas de poisson. Ça a l'air. On dirait bien qu'on ne vend pas de poisson. Et ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc. Ouais, j'ai agrandi mon marché par là, j'aurais peut-être pas dû du coup. Peut-être que c'est le marché qui donne
de l'influence pour les habitations et l'église, j'ai l'impression. Donc on fera un... ici on fera une petite zone marché-église pour construire une zone d'habitation ici, sur toute cette île là. Ok, donc maintenant on commence à avoir un petit village sympathique là. Hein. Ça commence à être pas mal. Ok, on a 400 emplois. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 emplois? J'avais pas fini de construire un tailleur. Voilà, donc déjà on va faire un tailleur et ensuite on va construire la mine de fer. Hein, depuis le temps. Justement de fer, renommée, non? Édité, donc on va construire une mine de fer. Ah non, il faut que ce soit dans le territoire quand même. Et zut. Et zut. Bon. Donc c'est bien ce qui me semblait, il faut que ce soit dans le territoire. Et eh ben on n'y est pas encore. Hein. Ça c'est chiant ça, si j'avais su j'aurais choisi une zone plus près des montagnes. J'avais pas vu style là, ça pourrait être stylé de faire une île ici là. Habitation, habitable ou là. Hein. On peut s'étendre par là-bas. Hein. Parce que là c'est plutôt notre quartier. Là ce serait plutôt le quartier artisanal. Oula, ça diminue vachement là, la laine. Avec mes deux tailleurs là, du coup. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une autre bergerie. Hein. J'ai l'impression que j'ai besoin d'une autre bergerie. Ouais. Allez, une autre bergerie. Par ici. Les moutons. D'autres moutons ici là. Hop. Et on va se garder de la place si on va se faire un autre truc de pêcheur. Là, ouais, remarque, on s'en fout. Notre bergerie. Pourquoi il y a une zone rouge autour? Je ne sais pas. Paf. Commencer la construction. 4 nouveaux villageois sont arrivés. Oh là, mais ça me fait du monde du coup. Ça me fait du monde. Ça me fait du monde. Eh ben, c'est bien, je vais pouvoir. Oh mon super pont! Mon super pont! Fan. Bah bon, ça c'est pas terrible là, mais bon, on s'en fout. Il y a de l'eau qui coule. Oh là là. Stylé. Stylé. Bon. Donc là, j'ai mes soldats qui s'entraînent. Ils sont soldats niveau 1. Avant, ils étaient quoi quand au début? Apprenti. Autoriser l'augmentation de capacité d'habitation. Oui, mais ok. Ah, ils sont déjà 7. Emploi 2 sur 7. C'est quoi ça? Capacité maximale. Extension A. Ah oui, donc je peux en avoir plus en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 8 soldats affectés. Emploi 2 sur 7. J'ai pas compris là. Module. Capacité maximum. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Alors. Alors. Continuons. Oula, c'est moi ou. Ça touche pas par terre. Ah si, ça touche par terre. Ah, mais c'est joli en plus, cette petite haie. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, on a dit, on a construit une bergerie. Elle est pas encore finie, mais bientôt. On va pouvoir affecter un berger. Du coup. On va peut-être rajouter des transporteurs, genre ici. Les teneurs de marché, là. Ouais, celle-là. Alors, attendez, hop, on va éditer un peu ça, on va faire un truc plus joli. Tente verte, tente bleue. Allez, hop, une tente bleue ici. Une tente bleue ici. Et une autre tente bleue ici. Hop. Voilà.
Une petite pancarte là, sympatoche. Hop, des tonneaux. Une pancarte vers les tonneaux. Clac. Et voilà. C'est joli, c'est sympa, c'est mignon. On aime bien. Hop, un petit banc ici. Clac. Voilà, on construit ça. Là, on va lui affecter le pain, parce qu'apparemment le pain j'en ai plus que de raison. Mais j'ai l'impression qu'ils le vendent pas en fait. Général. J'ai l'impression qu'ils vendent rien. C'est bizarre. Ouais, le pain ils en vendent pas tant que ça. Le pain ils en vendent pas tant que ça. Alors là, attendez, on a débloqué des trucs là. Des sous, on va pouvoir débloquer une zone, disons celle-ci, hein, en plein milieu. Alors, clac, clac. Ah non, attendez, je dis des bêtises. On va aller débloquer ça. Là-bas, on fera plus tard. Promotion disponible. Alors, les soldats. Triés par métier, ouais. Ah, mais ils sont déjà roturiers. Transporteur, mineur, forestier, cueilleur, charpentier. Ah mais arrête. Ils sont mes soldats. Je ne sais pas où ils sont mes soldats. On va tous les promouvoir en serre. Ouh, j'ai plus de sous. Ah, j'ai pas de sous du tout en fait. Ok. Bon. Eh ben, j'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. C'est pas grave. Oui, le bailli est disponible pour un nouveau mandat, je sais. Faut que je désactive ça. Par contre, je comprends pas pourquoi mes marchés ne vendent pas plus de choses que ça. Peut-être qu'il faut que je fasse un autre marché ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, ils vendent pas de poissons, ça c'est sûr. Le pain, ils en vendent pas tant que ça, j'ai l'impression. Ils vendent plus de baies, hein. Ouais. Mais ça, c'est peut-être parce que, justement, en fonction de leur niveau de promotion, ils mangent pas les mêmes choses. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Hein. Ah, formé entièrement, tiens. Force 4. Force 4. Toi. Ok, donc soldat niveau 1. Ok, donc il y en a qui sont formés. Mission disponible. Ah, bah voilà. Alors, voir la mission. Ok. Alors, on va essayer ça. Action, quête. Alors non, c'est là, c'est mission acceptée. Assigner les villageois disponibles. Mais c'est lesquels qui sont formés? Attends. C'est Malherbe, Galinda, Brunner, Alfgar. Alors. Brummer, Alfgar, Malherbe, Galinda. Chance de réussite très élevée. Oh bah ça suffit, allez, envoyez. Allez vous battre les soldats, ouais, à la guerre. Allons guerroyer. Donc là j'ai ma bergerie, est-ce que j'ai affecté un berger? Non, affectons-le tout de suite. Parce que là la laine ça descend dangereusement. Les teneurs de marché pour l'instant on va peut-être pas les faire parce que j'ai l'impression qu'ils ne vendent pas de toute façon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la queue. Ou alors on va ajouter, on va refaire une cabane de cueilleurs là. J'enlèverai bien celle-ci moi. On va la laisser. On va refaire une cabane de cueilleurs parce que là j'ai beaucoup de sans emploi. Non, j'ai 400 emplois. Donc on va refaire une cabane de récolte ici, clac, et on va en affecter et on va en vendre plus. Par exemple, pour le moment, ils mangent plus des baies. Mais. Mes gars. Ouais, mais en même temps, j'en ai deux et je les vends pas toutes. Si. Je suis pas sûr, hein. Ça descend, en tout cas, mon stock de baies.
Là, je stocke quoi là? Des baies, du pain, du pain, du pain. Du pain, du pain, des baies. Bon, on va essayer d'avoir une autre étale de baies. Et on va assigner un villageois disponible dessus. Voilà. Et ici, on va attendre qu'ils aient fini de construire et on va affecter des nouveaux cueilleurs. Ok. Alors là, lui, il fabrique des vêtements normalement. Et oui, et j'ai rien pour les stocker, les vêtements. Alors par contre, j'ai une étale de marchandises qui est nourriture, nourriture, marchandises ici, qui peut vendre des vêtements. Ok. Et donc les vêtements... Les vêtements, je vais les vendre. Et il faut que j'affecte un stock. Enfin, il faut que j'affecte des vêtements dans un stock peut-être. Genre celui-ci, qui est juste à côté. Hop, il va stocker des vêtements. Voilà. Étale de marchandises. Ah, voilà, il faut que je mette quelqu'un dessus. Très bien. Ok, donc là j'ai un nouveau truc de cueilleur. Ok, je peux en mettre que deux pour l'instant. Donc ils vont couper du bois là-bas, très bien. Le bois, je suis full bois. Je suis vraiment full bois. Je sais même plus quoi en faire de mon bois. J'ai l'impression. Donc là j'ai l'impression que je vends plus de choses. Hein. Le commerce ça marche bien. Le commerce ça marche bien. Puisque je vends ce que j'ai en trop. Alors attendez, mes routes commerciales, ils achètent quoi? On va juste regarder vite fait ça. C'est pas là, c'est où? C'est où déjà? Merde, c'est où le commerce? Là. Donc eux, ils achètent du poisson. Et ben, je peux peut-être vendre mon poisson comme ça, non? Pour 4. Les vêtements pour 10. C'est dommage qu'on n'a pas toutes les ressources là quand même. Les poissons, tout ça, j'aurais bien aimé les voir. Donc lui, ils achètent du pain. Alors attends. Attendez, le pain, on le vend au-delà de 500. On a 576-17, donc on doit le vendre forcément. Je peux vendre aussi du coup des vêtements. Ou du poisson. Parce que de toute façon, le poisson, là, je suis en train de le stocker. Je suis en train d'en stocker à mort. Je pourrais me faire une autre cabane de pêcheurs après. Donc pour le moment, je vais le vendre au-dessus de 150. Ça, comme ça, je vais me garder une petite ressource, une petite réserve. On va dire au-delà de 100. Monseigneur, vos troupes ont été très utiles concernant les différends avec nos voisins malveillants. Ceci dit, l'histoire semble encore loin d'être terminée. Et j'ai toujours besoin de soutien. Gardez mes troupes avec vous. Chance de réussite moyenne. Ah. Ah. Eh bien, peut-être une prochaine fois. On enverra plus de monde la prochaine fois. Ok, donc. Vos soldats sont de retour de mission. Vos soldats ont été victorieux. Ok, très bien. Donc ça, j'ai dit que je le vendais. Les planches, les planches, les planches. Les planches, on peut peut-être les vendre aussi. C'est où les planches? Planches, 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 planches. Le bois. Les planches. Ouais bah les planches, je les vends déjà au-delà de 100 et j'en ai 396. Donc c'est qu'ils m'en achètent pas beaucoup. Les baies, je vais les garder. Bon bah écoutez, on va rester comme ça. On va peut-être vendre le poisson, c'est bon, c'est fait. Hop. Donc c'est une vidéo de 40 minutes là pour le moment, ça fait un petit peu long, j'arrive pas à m'arrêter ce jeu, c'est un truc de ouf. Hein. J'aime trop ce jeu. Donc la prochaine fois on va essayer de débloquer cet endroit là pour récupérer la mine de fer. Je vois que j'ai de l'argent donc on va peut-être le faire, mais on va peut-être en même temps attendre aussi d'avoir... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, de pouvoir augmenter
mes... enfin, de pouvoir promouvoir, pardon, mes villageois. J'aimerais bien me faire une autre... Je vais me faire une autre extension, là. Pour pouvoir construire une trésorerie de plus. J'aimerais bien avoir une trésorerie supplémentaire. Hop. Attendez, hop. On va mettre ça comme ça. Et on va monter la taille un peu de ce truc-là. Ça fait très bizarre. Ça fait très très bizarre. J'espère qu'on pourra ajouter des trucs dessus après. On verra. Peut-être qu'on va faire une autre entrée là-dedans, on verra. On verra ce qu'on peut faire. J'ai pas beaucoup débloqué de choses, je trouve. Commencer la construction, hop. J'ai des nouveaux villageois, donc... Donc voilà, donc allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao.